Je suis parti un peu sur un coup de tête, hein. Enfin, en tout cas, si j'avais su que ces 4 mois que j'ai passés dans la zone pakistano-afghane allaient me créer autant de soucis, je m'en serais bien passé. Oui, je suis parti un petit peu à l'aventure et je suis resté là-bas, sur place, au moment où les talibans donc contrôlaient la majeure partie du pays en Afghanistan. Parti à peu près en avril 2001 et je suis revenu à l'été 2001. Donc environ un mois et demi avant les fameux attentats du 11 septembre qui ont été la cause de tous mes soucis. Enfin, Visiblement. oui, là en quelque sorte j'étais dans l'œil du cyclone et il a fallu répondre à une situation très complexe que je ne contrôlais pas du tout, à savoir qu'une personne qui avait mon numéro de téléphone dans son agenda personnel et dans son téléphone a été arrêtée aux Émirats Arabes Unis. Il a été torturé pendant environ un mois et demi. Et D'accord. c'est comme ça que j'ai été inquiété par les services de renseignement suite au 11 septembre. Je reviens en France donc à l'été 2001 et là, peu de temps après le 11 septembre, j'apprends qu'une personne parmi mes connaissances est arrêtée aux Émirats Arabes Unis. Là, connaissant un petit peu comment fonctionne la police française et notamment les problèmes qui risquent de m'arriver, je prends peur. Et donc, je décide de partir en Grande-Bretagne. Et c'est là que je suis interpellé. En fait, je suis interpellé en Grande-Bretagne par les autorités britanniques parce que je suis parti avec un passeport contrefait. Donc, il faut peut-être que je revienne un petit peu en arrière pour qu'on comprenne un petit peu. Donc, j'ai acquis la nationalité française, en fait, par naturalisation. Mais je l'ignorais au moment où je l'ai acquis. Je n'avais pas les documents. Donc je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, comme tu le rappelais tout à l'heure, et donc j'ai fait l'ensemble de ma scolarité et j'ai travaillé également en France. Donc je suis arrêté par les autorités britanniques et là, les autorités françaises, le renseignement français précisément, donc à l'époque ça s'appelait la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, qui est devenue la DCRI, la Direction Centrale du renseignement intérieur, puis elle a de nouveau changé de nom pour devenir la DGSI, donc la Direction Générale des Services Intérieurs. Donc à l'époque, la DGSI s'appelait la DST. Donc il y a deux enquêteurs de la DST qui viennent en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, je suis en garde à vue pendant 4 jours, sous ce qu'on appelle le Terrorist Act. Et donc les autorités britanniques me posent tout un tas de questions concernant une personne qui a été arrêtée et qu'on soupçonne d'avoir été dans un projet terroriste. Au départ, suite à cette garde à vue en Grande-Bretagne, les autorités françaises obtiennent mon extradition, mon expulsion en fait, parce qu'en réalité il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Grande-Bretagne et la France à l'époque. Et donc je suis expulsé pour avoir utilisé des documents contrefaits. Et donc c'est la direction de surveillance du territoire qui prend le relais en France après que j'ai été expulsé par les autorités britanniques dans un avion privé. Hein, Falcon, qui était du Royaume-Uni. Et donc je me trouve dans l'avion avec à la fois des officiers du renseignement britannique, le MI5, et des officiers du renseignement français, la DST. Donc lorsque je mets le pied sur le tarmac de Villacoublay, j'avais deux paires de menottes, une paire de menottes britanniques et une paire de menottes françaises. Et donc au moment où je mets le premier pas sur le sol français, sachant que j'étais ressortissant français à l'époque, par naturalisation, là, donc les autorités britanniques, enfin les officiers du renseignement britannique me retirent les menottes britanniques, et je suis pris en charge par la DST. Donc là, direction Lunel-Atholl, c'était le siège de la DST à l'époque, il a changé hein, depuis.
Et donc là, je suis de nouveau mis en garde à vue pendant 4 jours en tant que témoin assisté. C'est-à-dire que on va me poser tout un tas de questions sur une personne qui fait partie de mon entourage selon les officiers de renseignement français. Et donc, à la suite de ces 4 jours de garde à vue, Jean-François Bruguère et Jean-Louis Ricard, Jean-Louis Bruguère, pardon, et Jean-François Ricard viennent donc au siège de la Réunion-Laton pour me signifier qu'ils me poursuivent au titre d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Donc là, je passe d'un statut de témoin assisté à un statut de mise en examen. Là, effectivement, je suis interrogé. On me pose essentiellement des questions sur le principal protagoniste de l'affaire, celui qui a été arrêté aux Émirats arabes unis, qui a été torturé pendant 1 mois et demi. Donc là, les officiers du renseignement essayent de me faire dire des choses sur cette personne. Moi, je m'en tiens à ce que je sais de lui, à savoir des éléments factuels. Et lorsqu'ils essayent de me faire dire que cette personne aurait participé à un projet d'attentat ou que j'aurais été impliqué aux côtés de cette personne, je dis, je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas vous mentir à ce sujet. Donc, enfin, en tout cas, à plusieurs reprises, les personnes qui m'interrogent essayent de me faire dire clairement, ils me disent, voilà, si tu parles, si tu nous dis des choses intéressantes sur cette personne-là, on te libère, il n'y a aucune raison qu'on te garde. Donc voilà, ça dure comme ça pendant 4 jours, sachant que j'avais déjà fait une garde à vue de 4 jours, donc j'en étais pratiquement à 8 jours de garde à vue, donc une garde à vue assez délétère, hein, puisque on peut pas manger, on peut pas boire, enfin en tout cas des choses très... on peut pas dormir. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vous met dans un état où vous ne pouvez pas avoir la moindre notion du temps. Donc tout ça, c'est des techniques qui sont connues, hein, pour exercer une pression sur la personne qu'on interroge, donc pour brouiller ses repères. Donc je ne savais absolument pas quand est-ce que c'était le jour, quand est-ce que c'était la nuit. Je n'avais aucun repère en termes de temps. Et donc j'étais beaucoup très fatigué. J'ai peut-être dormi pas plus de 6 heures sur les 6 à 7 heures, peut-être sur les 4 jours, d'après mes estimations. Et donc, au bout de cette garde à vue, les magistrats instructeurs décident de me mettre en examen et je suis mis en mandat de dépôt et je suis incarcéré à la prison de Fresnes. Alors, en fait, je ne suis pas extradé. C'est pour ça qu'on m'a mis en fait les menottes à la fois britanniques et françaises. Je suis expulsé parce que je suis rentré sur le D'accord. territoire français avec de faux documents. Donc en fait, les autorités britanniques n'ont pas grand-chose à me reprocher, si ce n'est d'être rentré sur le territoire britannique avec de faux documents. Et en fait, les questions, je m'aperçois très rapidement que les questions que me posent les autorités britanniques sont soumises en fait par les autorités françaises. Donc c'est les autorités françaises qui posent les questions et puis les autorités britanniques ne me font que me traduire les questions. En tout cas, c'est ce qui ressort après coup de l'analyse que j'ai pu faire de ma première garde à vue donc au Royaume-Uni. Non, au départ, on me reproche rien, on me pose simplement des questions sur les raisons de mon voyage en Pakistan puis en Afghanistan. On me pose des questions essentiellement sur le protagoniste, enfin celui qui deviendra le protagoniste de l'affaire, puisque le dossier sera nommé selon son patronyme. Et donc, en fait, toutes les questions tournent autour de cette personne-là, et on me fait comprendre que si je collabore, entre guillemets, avec les officiers du renseignement, je m'en sortirai bien. Et c'est justement en ayant des réponses enfin, tout à fait habituelles et sans aller, si vous voulez, dans la direction de ce que les services de renseignement essaient de me faire dire, c'est là que mon cas s'aggrave et que je passe de témoin assisté à mise en examen. Mais au départ, il y a pas de, comment dire, d'incriminations spécifiques qui me sont faites. À part donc ce document contrefait, en l'occurrence un passeport français avec un faux visa. Tu fais bien de recontextualiser les choses parce que c'est vrai que peut-être pour les plus jeunes des spectateurs qui n'ont pas vécu le 11 septembre, il y a une psychose au niveau mondial où on voulait absolument avoir
des responsables, avoir des coupables très vite, et l'ensemble des renseignements des pays occidentaux, des pays arabes, et pratiquement tous les services de renseignement qui comptent dans le monde, étaient dans une espèce de course à l'échalote pour servir donc les États-Unis et essentiellement la CIA et le FBI, et pour leur apporter tous les éléments qui pouvaient conduire à des pistes pour pouvoir arrêter les responsables donc de ces attentats qui ont causé la mort de centaines de personnes. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que je suis d'abord entendu comme témoin assisté, puis comme mis en examen. Pour comprendre les choses, peut-être j'aimerais apporter un détail, peut-être qui a son importance, c'est que le principal protagoniste de ce dossier, donc, comme je le disais, a été arrêté aux Émirats Arabes Unis. Il a été torturé, il y a eu un rapport médical d'ailleurs qui a été versé au dossier. Qui démontre qu'il a perdu 17 kilos entre le moment où il a été, où il est rentré dans une prison secrète, qui s'est avérée être ensuite une prison secrète de la CIA, qui était sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Donc il a subi énormément de tortures, des chocs thermiques, des chocs électriques, l'ingestion et même l'ingestion de produits de drogue, en fait, similaire à l'ecstasy, par exemple, qui donnait qui avait des effets hallucinogènes. Il a été mis dans des cellules de quelques mètres cubes de volume, donc où il n'avait pas la possibilité d'être debout. On lui a arraché les ongles des orteils. On lui a tapé avec des matraques électriques. On lui a fait subir des chocs thermiques avec des amplitudes très importantes. On lui a même pratiqué des tortures à caractère sexuel, c'est-à-dire il y avait une machine qui permettait d'introduire donc des objets oblongs qui étaient électrisés dans le rectum notamment. Et donc c'est dans ce contexte-là en fait que cette personne-là, on l'a torturé et il y a tout un ensemble, tout un rapport qui a été obtenu, ce qu'on a appelé ensuite les fameuses confessions, mais il faut savoir que ces fameuses confessions ont été faites sous la torture. Et en fait, cette personne-là détenait un téléphone portable un carnet dans lequel se trouvaient mes coordonnées, et pour cause, j'étais une personne qui vivait dans la même ville que lui, qu'il l'avait fréquenté à quelques reprises. Et c'est dans ce cadre-là que ces coordonnées, enfin qu'on a fait un échange de coordonnées tout simplement, et que j'étais inquiété. C'est pour ça qu'au départ, donc, on me pose des questions en tant que témoin, puisque j'apparais dans son carnet. Et après, petit à petit, lorsqu'on me pose des questions précises, mais dont je n'ai absolument pas les réponses, et que je comprends que finalement, on semble lui reprocher des choses graves, devant non pas mon mutisme, parce qu'on ne peut pas parler de mutisme vu que je ne savais pas répondre à ces questions, mais en tout cas, les enquêteurs ont considéré que je n'étais pas assez coopératif, et c'est comme ça que je suis passé du statut de témoin assisté, sans avocat à l'époque. Enfin, en tout cas, j'ai eu le droit à un avocat commis d'office, mais qui visiblement était proche du renseignement, donc j'ai préféré ne pas me confier à lui parce que je n'avais pas confiance. Et c'est donc à la fin de ma garde à vue que j'ai enfin pu avoir accès à un avocat qui s'appelle Maître Bélanger, Maître Frédéric Bélanger, qui n'est plus en activité actuellement en France. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai pu comprendre l'objet en fait réel de mon implication dans ce dossier. Il faut savoir, alors peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, que l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, c'est-à-dire ce qui m'a valu d'être mis en examen, c'est un délit. Donc il est passible du tribunal correctionnel et non pas de la cour d'assises. Donc le tribunal correctionnel juge des délits qui sont moins graves, entre guillemets, que les crimes. Les crimes sont jugés par la cour d'assises, qui se réunit pendant une période de temps
et qui n'est pas, contrairement au tribunal, une juridiction qui exerce tout le temps. Le tribunal, en revanche, a un exercice permanent pendant toute l'année civile. Et bien sûr, il y a des vacances judiciaires, mais le tribunal a cette caractéristique d'exercer de façon permanente. Donc, l'incrimination d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est une incrimination un peu particulière, dans la mesure où la logique de l'antiterrorisme est basée sur l'exception. C'est-à-dire, déjà parler de dérive en fait de l'antiterrorisme ou de dérive de l'état d'exception, c'est déjà un petit peu biaisé dans la mesure où on, déjà dans la pratique de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, on s'éloigne déjà de l'ordre normal. Pourquoi ? Parce que la substance même de l'association de malfaiteurs, sans parler du caractère terroriste, la substance même de l'association de malfaiteurs, c'est une logique d'exception. Donc en fait, elle est dérogatoire et il y a une architecture juridique qui est centralisée, c'est-à-dire que tout se passe à Paris, aussi bien pour les gros dossiers d'association de malfaiteurs pour des délits comme des braquages de banques, etc. Et en fait, c'est cette juridiction-là, qui était basée en tout cas jusqu'à une période récente à Paris, au tribunal de Paris, l'ancien tribunal qui se trouve à l'île de la Cité, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens du jargon appellent la galerie Saint-Éloi. Donc elle est composée de juges spécialisés, qui doivent être une douzaine actuellement, peut-être même une quinzaine. Au départ, ils étaient neuf. Donc parmi ces juges, il y a donc le juge Jean-Louis Bruguère et le juge Jean-François Ricard qui sont connus. Entre-temps, Jean-Louis Bruguère donc, est parti à la retraite et Jean-François Ricard est actuellement le chef, le procureur en chef, le responsable en chef de toute la section anti-terroriste. Donc c'est lui le chef du parquet général des affaires qui concernent l'antiterrorisme. Cette juridiction-là particulière, donc, elle évolue dans un vase clos, c'est-à-dire que les juges sont très proches à la fois des services de police et des services du renseignement. Donc on comprend assez vite que dans ce contexte-là, ne serait-ce que par rapport à la sécurité de ces juges-là, puisqu'ils ont des gardes du corps, ils sont armés pour certains d'entre eux, ils sont amenés donc à voir des officiers de police judiciaire et des officiers du renseignement très souvent. On peut dire en quelque sorte que leur objectivité est déjà souffre déjà d'une certaine en tout cas, qu'on peut s'interroger sur leur objectivité dans la mesure où ce pool de juges évolue en vase clos. Donc, oui, on comprend très vite que l'exécutif qui nomme ces juges, alors pas directement, puisque ça passe par le syndicat de la magistrature, mais il y a un rapport il y a une corrélation et il y a un rapport assez fort entre le pouvoir exécutif qui est censé être indépendant et autonome du reste des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, et ce qu'on appelle de façon un petit peu abusive le pouvoir judiciaire, qui n'en est pas en réalité, puisque le pouvoir judiciaire, en France, ce n'est pas un pouvoir. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est une autorité. La différence entre un pouvoir et une autorité, elle réside dans l'indépendance. Et il faut savoir que les procureurs, en France, ils sont nommés. Sont nommés par l'exécutif. Donc le procureur, objectivement, par rapport à la loi internationale, le procureur français n'est pas un magistrat, dans la mesure où il est nommé, de façon indirecte, mais il est nommé par le pouvoir exécutif. Donc dire qu'il y a trois pouvoirs en France, c'est faux. Objectivement, c'est faux. En réalité, il y a deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et ce qu'on appelle abusivement le pouvoir judiciaire est en réalité une autorité, et donc une autorité est inférieure à un pouvoir.
D'ailleurs, on le voit, vous avez peut-être entendu parler de l'article de Mediapart qui parle de l'affaire Kohler. Alexis Kohler, qui est donc un des conseillers, sinon le conseiller principal d'Emmanuel Macron, et qui est donc accusé d'avoir trempé dans des affaires où ses intérêts personnels et les intérêts de la nation seraient interférés, en tout cas déteindraient l'un sur l'autre. C'est là qu'on voit que voilà, en France, il y a non pas un pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire. Ça, c'est, je pense, assez important à comprendre. Une précision pour les gens qui ne connaissent peut-être pas forcément le jargon judiciaire. Donc, ce qu'on appelle le parquet, c'est l'ensemble des procureurs. Le procureur est censé défendre l'intérêt du peuple, puisque en France, on juge au nom du peuple. Donc, le procureur est censé être le représentant du peuple. Bon, en réalité, bien sûr, on comprend très vite qu'il y a d'autres intérêts que ceux du peuple qui s'expriment à travers ces procureurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le parquet. Effectivement, la justice antiterroriste est complètement dérogatoire pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le temps de garde à vue qui est plus long. Actuellement, lorsqu'on est mis en examen pour une affaire de terrorisme, ou même une affaire d'association de malfaiteurs, dans le droit commun, c'est-à-dire par exemple un braquage de banque ou bien quelque chose de cet ordre-là, le temps de garde à vue est plus long. Hein. Il peut aller jusqu'à 8 jours, je crois, dans les derniers, dans la dernière version du code de procédure pénale. Il y a aussi le temps de détention et l'accès à l'avocat qui sont différents par rapport au droit commun. Donc l'accès à l'avocat ne se fait pas immédiatement, il se fait vers la partie finale de la garde à vue, et le temps de détention, les peines sont alourdies par rapport aux peines qu'il peut y avoir dans le droit commun. Une aggravation à la fois des peines, de l'application des peines, et de l'aménagement des peines. On reviendra peut-être sur ces termes plus tard. Il faut savoir que lorsque j'ai été mis en examen, donc quelques années après, donc j'ai été condamné en première instance en 2005 à 9 ans ferme, et j'ai fait donc appel de la décision, et quelques mois plus tard j'ai été jugé en appel, et donc à la fin de l'année 2005, et en réalité au début de l'année 2006, puisque le jugement était définitif, a été rédigé par le greffe, ma peine a été limitée à 6 ans, ce qui est extrêmement rare. Sachant que j'étais donc emprisonné en France depuis le 3 octobre 2001, ça veut dire qu'à la fin 2005, avec le jeu des remises de peine, qui était encore possible à cette époque-là, j'aurais pu sortir pratiquement assez rapidement, pratiquement donc à l'issue de ma condamnation en appel. D'ailleurs, ultérieurement, le Wikileaks a révélé tout un ensemble de documents hein, que vous pouvez retrouver sur Internet, et où les magistrats qui ont instruit mon affaire disent clairement qu'ils ont réussi à obtenir ma condamnation ainsi que la condamnation des autres personnes impliquées dans mon dossier grâce à leur notoriété. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun élément factuel à m'opposer et que c'est à la fois la psychose de l'après 11 septembre et le jeu de la course à l'échalote de l'ensemble des services de renseignement donc dans l'après 11 septembre qui ont fait que j'ai écopé donc de cette peine quand même lourde, hein, puisque il faut savoir que j'avais un casier judiciaire absolument vierge auparavant, donc j'étais primaire, c'était la première fois que j'étais condamné à de la prison, et donc bien sûr, oui, moi je considère que je suis en quelque sorte un dommage collatéral de ce qu'on a appelé à l'époque la lutte contre le terrorisme, ou bien... Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse phrase de Bush Junior qui disait « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». Donc je crois que c'est une phrase qu'il avait empruntée à un film de western. Donc il a été filmé pour sa communication politique sur les décombres
du World Trade Center est en train de dire cette phrase. Et là, il faut dire que l'ensemble des pays ont, ont claqué un garde à vous et se sont mis au service de la CIA, du FBI, des services de renseignement comme le FSB, qui est l'héritier du KGB pourtant, et bien sûr la DGSE, la DST, qui sont les services de renseignement extérieur et intérieur de la France, ainsi que les services britanniques, le MI5 et le MI6 pour l'intérieur et l'extérieur, et tous les grands services de renseignement de tous les pays alliés des États-Unis. Donc on comprend très vite que lorsqu'on est pris comme ça, quand on est dans un cyclone, quand on est dans l'œil du cyclone, un individu face à tous les services de renseignement du monde entier n'a pas vraiment voix au chapitre. Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que le principal protagoniste du dossier donc, a été torturé, ça s'est avéré, il y a eu un rapport médical, tout ça apparaît dans le dossier et peut être consulté de façon objective. Il y a eu d'ailleurs un article du Monde qui est revenu sur, qui est revenu sur ces tortures-là, donc pour les gens que ça intéresse, on pourra éventuellement donner le lien et ils pourront regarder le détail de l'affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport qui a été fait par les autorités émiriennes donc suite à ces tortures-là a été dans un premier temps pris par les magistrats Jean-Luc Bruguière et Jean-François Ricard qui se sont déplacés aux Émirats Arabes Unis. Donc là, ils ont pu poser des questions plus précises après que les tortures aient été effectuées. Donc ils ont contribué, ils ont ces deux magistrats ainsi que les services de renseignement français, notamment la DGSE, ont pour moi sont responsables de manière indirecte des tortures de cette personne-là. Il faut savoir que cette personne-là, lorsqu'elle est arrivée, on l'a arrêtée, sa famille était en Afghanistan sous les bombes. Donc on lui a fait un chantage en plus. Sa femme et ses enfants, il avait trois enfants qui étaient jeunes, qui étaient quelque part entre l'Afghanistan et l'Iran. Et lorsque les autorités iraniennes ont intercepté sa famille, donc, les magistrats instructeurs français ont fait un chantage horrible, en disant à cet homme-là, si tu acceptes de collaborer avec nous, on verra ce qu'on peut faire avec ta famille. Sinon, eh ben, ta famille est mal barrée. C'est ce qu'on lui a dit texto. Ensuite, cet homme-là, on l'a mis dans un transal, dans une combinaison type Guantanamo, menotté. Donc, je ne sais pas si vous avez été déjà dans un avion militaire, mais un avion militaire, c'est pas un avion de ligne, hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bruit, il fait très froid, il n'y a aucun confort, et donc cette personne-là, elle a été ligotée, menottée, donc les quatre membres, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche, comme une chauve-souris, avec un casque pour qu'il ne puisse pas entendre. Il était masqué, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir, exactement dans les mêmes conditions que vous avez pu voir à Guantanamo ou dans les fameuses tortures de Abu Ghraib. Sachant qu'il a été torturé auparavant pendant un mois et demi, qu'il a perdu 17 kilos. Ensuite, donc il est arrivé, donc en quelque sorte, il y a un deal qui a été posé, et cette personne-là a été obligée de pratiquement confirmer l'ensemble des incriminations qui ont été obtenues suite à sa torture pour mettre en sécurité sa famille. C'est seulement lorsqu'il a su que sa famille était en sécurité qu'il est revenu sur l'ensemble des éléments qui ont été confirmés par les juges d'instruction aux Émirats Arabes Unis, donc à l'extérieur du territoire français. Et là, donc, il a fait un rapport, il a été entendu par le juge Jean-Louis Bruguière pendant, je crois, 12 heures d'affilée, sans aucune pause, où, avec un avocat commis d'office qui, visiblement, ne maîtrisait pas le dossier, et c'est comme ça, en fait, que pratiquement l'ensemble des éléments qui avaient été obtenus par la torture ont été, en quelque sorte, gravés dans le marbre de la procédure française, en France, à la Galerie Saint-Éloi, dans le cabinet de Jean-Louis Bruguière. Donc ça, je l'affirme, il y a des preuves, et toute personne qui conteste ces preuves-là peut m'attaquer en justice pour diffamation. Elle n'obtiendra rien, puisque... puisque c'est la vérité.
Après, donc, cette personne-là a pris un autre avocat qui a remis le travail sur l'ouvrage sur le métier, en quelque sorte. Et là, c'est à partir de là seulement qu'il a pu avoir une défense digne de ce nom. Ensuite, lorsque l'affaire a été enrôlée, c'est-à-dire qu'elle a été jugée, puisque si vous voulez, il y a un processus judiciaire. Il y a d'abord l'enquête qui est faite par le juge celui qu'on appelle le juge d'instruction. Là, en l'occurrence, il y avait deux juges d'instruction pour ce dossier. Ensuite, lorsque le dossier est clôturé, le juge d'instruction va faire un rapport qu'il va délivrer au procureur général. Le procureur général va décider de poursuivre ou non. Bien sûr, lorsqu'il y a de la détention provisoire, on va venir peut-être revenir sur ce terme-là. Lorsqu'il y a de la détention provisoire, eh bien, dans 99,99% des cas, le procureur, bien sûr, enrôle l'affaire. Et donc, c'est là que commence le procès. Et là, dans le cadre de la justice antiterroriste, le procès, il est fait par trois juges. Donc, il y a ce qu'on appelle le président du tribunal et deux assesseurs, voire plus. Donc, le procès a duré plusieurs semaines. Il a été fortement médiatisé. Il a été médiatisé par plusieurs chaînes internationales. Hein. Vous pouvez revenir pour voir dans la presse dans les années 2005 pour vous rendre compte de l'ensemble des sujets qui ont été faits sur ce dossier. Et donc, au cours du procès, au début du procès, le président a dit que finalement, le tribunal ne tiendrait pas compte des éléments qui avaient été obtenus sous la torture aux Émirats arabes unis. Mais j'allais dire, ça n'avait plus aucun intérêt puisque tout avait été en quelque sorte validé dans la procédure française. Alors pas tout à fait, puisque justement l'instruction a permis au principal intéressé, principal protagoniste du dossier, de pouvoir revenir sur ce qu'il avait déclaré sous la torture et ce qu'il avait déclaré aussi au magistrat au début de l'instruction lorsqu'il n'avait pas une défense assez efficace, assez objective, assez solide. Et c'est donc dans ce contexte-là que j'ai évolué. Et il faut savoir aussi que le contexte international était extrêmement complexe, hein, puisque déjà, il y a quelque chose qui est quand même assez hallucinant, c'est que les juges instructeurs ont ouvert, selon eux, l'enquête le 10 septembre, c'est-à-dire la veille du 11 septembre. Alors, on a posé, mes avocats notamment, ont posé cette question, comment ça se fait que les juges instructeurs aient ouvert le dossier le 10 septembre. Ça prouve bien qu'ils avaient quand même une idée derrière la tête. Alors, il faut savoir que, en fait, si le dossier a été ouvert le 10 septembre, c'est que la veille, le 9 septembre, le commandant Massoud avait été assassiné. Et c'est suite à cet assassinat que les magistrats français ont décidé d'ouvrir une enquête parce que il voulait savoir ce qui s'était passé. Et bien qu'il n'y ait pas eu de ressortissants français qui aient été impliqués dans cet attentat qui visait donc un des chefs de guerre afghans qui dirigeait l'Alliance du Nord, les magistrats instructeurs français ont trouvé bon d'ouvrir une enquête, ce qui est quand même assez hallucinant dans la mesure où il n'y a aucun ressortissant français qui a été impliqué ou en tout cas assassiné ou même blessé dans ce fameux attentat. Donc là, il y a une interrogation qui perdure jusqu'à présent et dont je n'ai toujours pas les réponses. Il y a plusieurs affaires. Il faudrait aussi parler de l'affaire des cinq Français de Guantanamo, où là, les services de renseignement français, peut-être que ça viendra, enfin peut-être qu'il y aura des informations complémentaires un jour, si certains officiers du renseignement acceptent de parler. Là aussi, la DGSE et la DST ont participé
aux questions, à l'interrogatoire à Guantanamo de ces, je crois qu'ils étaient cinq, de ces cinq Français qui ont été torturés donc à Guantanamo, qui ont été les seuls prisonniers qui ont été relâchés de Guantanamo, qui ont été de nouveau incarcérés dans leur pays d'origine. C'est les seuls prisonniers. C'est-à-dire que tous les autres prisonniers qui ont été libérés de Guantanamo n'ont jamais été réincarcérés. Les seuls à avoir été réincarcérés à l'issue de leur libération de Guantanamo, faute de preuves, ce sont des Français. Et en plus, ces personnes-là, la plupart d'entre eux, étant donné qu'ils étaient binationaux, on leur a retiré la nationalité française et on a tenté de les expulser suite à leur libération en France, puisqu'ils ont été incarcérés, je crois, environ un an et demi suite à leur libération de Guantanamo. Donc là, il y a énormément de questions qui se posent sur la participation du renseignement français en 2001 dans la torture de ressortissants français et de ressortissants d'autres nationalités. Et ça, j'espère qu'il y aura des journalistes courageux et même des officiers du renseignement courageux, et certains d'entre eux ont commencé à parler de ce sujet-là, notamment un certain Alain Chouet, qui a quand même donné un avis extrêmement divergent par rapport à la version officielle de toute cette histoire assez sombre de l'antiterrorisme à la française. Il y a énormément encore de questions qui se posent. Alors effectivement, là, il y a effectivement une instrumentalisation politique. Il faut savoir que j'ai été incarcéré donc en 2001, donc très peu de temps avant les élections présidentielles. C'était 2002, si je me souviens bien, vous me corrigez si je fais une erreur. Donc on était en pleine campagne électorale, et c'est à cette époque-là qu'il y avait un duel féroce entre la gauche et la droite française. Et on peut d'ailleurs remarquer que dans l'histoire récente française, à chaque fois qu'il y a eu des élections importantes, et notamment des élections présidentielles, souvenez-vous par exemple de ce qui s'est des événements en Nouvelle-Calédonie, il y a toujours eu une instrumentalisation de faits, soit de terrorisme, soit de conflagration, on va dire, pour donner un terme générique, qui concerne soit, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Chirac. Là aussi, il y a eu des manipulations, il y a eu le massacre de la grotte d'Ouvéa, il y a eu d'ailleurs un film très intéressant à ce sujet. Donc bien sûr, il y a une proximité des juges antiterroristes, du renseignement, de la police judiciaire, des hommes politiques, qui fait que tout ça percole, et il y a une accumulation de lois aussi qui entraîne, et on va peut-être le voir ultérieurement, ce fameux effet cliqué qui fait que des lois d'exception vont infuser dans le droit commun et on va jamais revenir en arrière. On va jamais revenir au statu quo ante, et on va toujours aller vers une condamnation, enfin vers des condamnations de plus en plus lourdes, y compris pour des personnes qui contestent politiquement ou de façon militante ou de façon syndicale la doxa du gouvernement. On a pu le constater par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes, pendant la loi travail, pendant l'état d'urgence, etc., etc. Alors, il faut savoir déjà que pendant l'après 11 septembre, il y a eu des prisons secrètes en Europe. Ça a été documenté. Il y a eu des prisons secrètes, notamment en Pologne, en République tchèque, si mes souvenirs sont bons, en Roumanie et dans plusieurs autres pays, essentiellement d'Europe centrale, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelait les prisons noires. Et c'est des endroits où plusieurs personnes qui étaient soupçonnées d'appartenir à Al-Qaïda ou à d'autres groupes terroristes ont été interrogées, parfois par plusieurs services de renseignement. En France, à ma connaissance, il n'y a pas
de prison secrète, en tout cas sur le territoire métropolitain. Mais il faut savoir que maintenant, j'allais dire, la France n'a pas besoin d'avoir de zone grise pour pouvoir impliquer des gens dans un dossier antiterroriste, parce qu'on va le voir. L'incrimination d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est tellement large que finalement tout est possible. La doctrine française considère, parce que tout simplement elle a pu s'en apercevoir notamment pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Indochine et pendant les événements également à Madagascar qui ont fait quand même 2 millions de morts, dont on parle très peu, que la torture était contre-productive. Ça n'a pas empêché les autorités françaises de développer toute une théorie hein, de ce qu'on appelle de contre-guérilla ou bien de guerre psychologique, qui a été utilisée notamment en Amérique latine et qui a été reprise par les États-Unis dans sa guerre contre le terrorisme, notamment en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs. Il faut savoir également que les services de renseignement utilisent maintenant carrément des agences privées qui font du renseignement. Donc elles utilisent des armées privées, comme il y a un paquet de sociétés, pratiquement de toutes les nationalités, russes, turques, américaines, britanniques, allemandes, israéliennes, bref, sud-africaines, hein, c'était parmi les premiers. Donc toutes ces armées privées ont également un département de renseignement. Les services de renseignement n'hésitent pas, lorsque elles sont, disons, à la limite du droit, d'utiliser ce renseignement privé, ce renseignement qui appartient à des officines privées pour pouvoir alimenter leur dossier. Mais j'allais dire, maintenant, on vit dans un monde tellement connecté que on n'a même plus besoin de torture pour pouvoir impliquer des gens dans des affaires dites de terrorisme. Hein. Ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'accumulation de données monstrueuses, hein. C'est vraiment, on ne se rend même pas compte de la tonne, enfin, c'est même plus des tonnes, c'est gigantesque de toutes les données qui sont tous les jours produites par toutes les personnes qui sont connectées sur Internet via leur tablette, via leur téléphone, via leur ordinateur. Et donc tous ces éléments-là vont permettre bien sûr d'objectiver tout un tas de renseignements. D'ailleurs, ça n'empêche pas des services de renseignement de s'espionner, y compris amis, de s'espionner les uns les autres. Hein. C'est ce qu'a fait par exemple la CIA, enfin la NSA plutôt, avec les services français ou allemands. C'est quelque chose qui est très très répandu. Je suis condamné en 2005 de manière définitive et je sors le 21 avril 2008 de la prison. Là, normalement, je dois être expulsé vers mon pays d'origine. Donc, on me conduit à la préfecture de police de Paris pour me retirer mes documents administratifs, donc en l'occurrence ma carte de séjour et puisque entre-temps on m'a retiré la nationalité française et mon passeport. Je vais à à la préfecture de police de Paris et ensuite on me met donc au centre de rétention administrative de Vincennes où là je suis placé également à l'isolement, sachant que je suis resté pendant toute ma peine, c'est-à-dire 6 ans et 9 mois. Alors pourquoi les 9 mois supplémentaires? Donc les 6 ans déjà parce que j'ai fait l'intégralité de ma peine, j'ai eu pratiquement très très peu de remises de peine, puisque ces remises de peine, elles sont adossées à la possibilité de travailler, à la possibilité d'avoir des activités et éventuellement à la possibilité d'étudier. Comme ces trois possibilités m'étaient interdites pendant mon isolement, hein, puisque j'ai passé pratiquement 4 années d'isolement sur ces 6 ans et 9 mois d'incarcération, j'ai eu très peu de remises de peine. En plus, j'ai fait l'objet d'agressions racistes, hein, de la part de certains
agents de l'administration pénitentiaire. Et donc, à chaque fois, donc, il y a eu des altercations où je me suis défendu, où des coups ont été échangés parce que j'ai veillé à préserver mon intégrité physique. J'ai moi-même été blessé. Il y a une photo dans le magazine Le Point où on voit mon visage tuméfié. Cette photo-là a été prise par un agent de l'administration pénitentiaire qui était en désaccord avec les méthodes de ses collègues. Et c'est comme ça que la photo a pu fuiter et m'a permis de m'en tirer simplement avec du sursis lorsque les agents qui m'avaient tabassé avaient porté plainte contre moi. Ça n'a malheureusement pas été le cas à deux ou trois reprises, puisque j'ai fait l'objet de plusieurs violences de la part de l'administration pénitentiaire pendant mon incarcération. Et donc, ce qui explique qu'à chaque fois, donc, ces agents de l'administration pénitentiaire ont porté plainte contre moi et donc ont obtenu à la fois des indemnités en termes d'argent et également ma condamnation, donc en tout à 9 mois supplémentaires de prison. Voilà, donc le 21 avril 2018, je suis conduit à la préfecture de police de Paris, puis au centre de rétention administrative de Vincennes. Là, je fais une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit qu'un État qui est signataire de la Convention n'a pas le droit d'expulser une personne vers un pays qui pratique la peine de mort, ce qui est le cas de l'Algérie. Et qui est toujours le cas, même s'il y a un moratoire et que cette peine de mort n'a pas été appliquée depuis longtemps. En tout cas, elle est appliquée sous d'autres formes, dans des prisons secrètes ou bien dans le cadre de violences policières. Bon, c'est une manière expéditive d'appliquer la peine de mort, et puis on peut dire qu'en France, d'une certaine façon, cette peine de mort est appliquée à certaines personnes dans le cadre de violences extrajudiciaires. La Cour européenne des droits de l'homme indique à la France qu'il n'est pas souhaitable de m'expulser vers mon pays d'origine, que j'ai quitté donc à l'âge de 5 ans, qu'il serait souhaitable de me garder sur le territoire français en attendant qu'elle prenne une décision définitive sur mon cas. Donc là, je suis assigné à résidence dans la Creuse. Je fais l'objet de 2 pointages quotidiens tous les jours donc, de l'année, pendant environ une année. Et je vais comme ça avoir tout un tas de pérégrinations et être envoyé dans plusieurs petites villes ou petits villages de France, notamment en Haute-Marne, dans le Tarn, en Charente-Maritime. Puis mon dernier point de chute, c'est dans le Cantal. Pendant toute cette période, donc, qui va couvrir plus de 12 années, entre le 23 avril 2008 et aujourd'hui, puisque je suis toujours assigné à résidence, je vais faire l'objet de l'interdiction de quitter la commune, souvent des petites communes, hein, souvent on m'envoie dans les plus petites communes de France, qui font seulement quelques kilomètres carrés de superficie. Et je vais tour à tour faire l'objet de 2 pointages quotidiens, 3 pointages quotidiens, et même jusqu'à 4 pointages quotidiens, et même 4 pointages quotidiens plus une obligation de rester à mon domicile la nuit, c'est-à-dire entre 21h et 7h du matin. Entre-temps, je me marie, j'ai des enfants, je fais même l'objet d'une nouvelle condamnation. Le jour même où la Cour européenne des droits de l'homme statue définitivement sur mon dossier et indique à la France qu'elle n'a pas le droit de m'expulser de France car je risque des traitements dégradants et inhumains si je devais être expulsé vers mon pays d'origine, l'Algérie. Et donc c'est en accompagnant ma femme que je suis contraint de sortir de la commune où je suis assigné, parce que tout simplement je ne peux pas laisser ma femme partir à la clinique toute seule alors qu'elle est enceinte, alors que les routes de la Creuse sont enneigées et alors que je dois recevoir la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, la décision définitive, qui si jamais devait être négative signifierait pour moi un embarquement immédiat vers mon pays d'origine, ne pouvant même pas regarder le monitoring de ma fille à naître, puisque ma femme était enceinte de 8 mois, et ne pouvant pas non plus dire au revoir à ma belle-fille, hein, qui avait à l'époque
4 ans et demi. Et donc là, je suis arrêté manu militari pour m'être éloigné de 18 km seulement de mon lieu d'assignation en résidence. Cette arrestation se fait exactement comme dans les films que vous pouvez voir au cinéma, avec un mégaphone, avec plusieurs fusils d'assaut pointés dans ma direction et dans la direction de ma femme enceinte et de ma belle-fille. Donc j'obtempère à tout ce qui m'est dit dans le mégaphone. Et donc c'est comme ça que j'écope de nouveau de 6 mois ferme pour non-respect de l'assignation à résidence, qui est une mesure administrative, c'est-à-dire qu'elle dépend du ministère de l'Intérieur, non pas du ministère de la Justice. Et donc à l'issue de cette peine de prison, pour laquelle j'obtiens quelques remises de peine, puisque je fais 4 mois et demi au lieu des 6 mois, sachant que le procureur avait requis 2 ans. Donc je sors de prison, et là, alors je ne vous fais pas tout le topo sur la prison, parce que là aussi il y a eu un traitement particulièrement arbitraire. Et donc là, au lieu de me réassigner à résidence au domicile de ma femme et de ma fille, qui est née entre-temps, et de ma belle-fille, eh bien on m'envoie à 450 km de mon domicile, et on me rajoute un pointage supplémentaire. Donc je me retrouve à 3 pointages. Puis, au fil de l'actualité et au fil des attentats qu'il y a pu y avoir en France, je me retrouve tour à tour à 3, puis 4 pointages, puis un couvre-feu. Et donc, lorsque j'arrive enfin à peu près à stabiliser ma situation, à être dans la perspective éventuellement d'avoir un emploi, puisque à cette époque-là, j'ai théoriquement la possibilité d'avoir un emploi, mais à condition que ce soit dans la commune de résidence. Donc là, à ce moment-là, c'est les fameux attentats de Charlie Hebdo et les 7 attaques qui ont concerné le Stade de France et plusieurs bars et lieux de divertissement. Il y a également eu l'attentat de Nice et l'attentat de Magnanville. Entre-temps, ma femme et moi, on avait décidé de rénover une maison que ma femme avait achetée, et on s'était installé dans un quartier plutôt résidentiel, entre guillemets, dans la ville de Carmaux, dans le Tarn. Mais lorsqu'on s'est installé, on ne savait pas qu'à proximité de nous habitait un couple de policiers encartés au Rassemblement National qui voyaient d'un mauvais œil notre installation à proximité de leur domicile. Nous ne savions pas non plus que leur enfant et notre fils, puisqu'entre-temps j'ai eu un fils, une fille, oui, donc un fils, pardon, fréquentaient la même crèche. Donc quand il y a eu cet attentat de Magnanville, qui, pour, je vous le rappelle, concernait deux fonctionnaires de police qui avaient été assassinés de façon atroce devant leur propre enfant. Donc ces fonctionnaires de police ont instrumentalisé cet événement qui s'est passé dans la banlieue parisienne, pour dire qu'ils craignaient pour leur sécurité, la sécurité de leur enfant, et ils ont instrumentalisé les pouvoirs publics, notamment en écrivant des courriers anonymes, en disant tout un tas d'insanités sur moi, sur ma femme et mes enfants, et en recourant à une pétition qu'ils ont fait signer par des gens qui ont les mêmes idées politiques qu'eux, et qui ont d'autres idées politiques, de manière à noyer le poisson. Donc c'est comme ça qu'un courrier a été adressé au maire de la ville. Le maire nous a convoqués, ma femme et moi, et nous a demandé des explications par rapport à ce courrier, qui était un tissu de mensonges et un tissu, ce qu'on pouvait considérer comme une lettre de corbeau, tout simplement, où il était dit qu'on jetait nos ordures dans les poubelles des voisins, que nos enfants divaguaient, entre guillemets, je reprends ce terme parce qu'on parle de divaguer pour des animaux, mais ces gens-là n'ont pas hésité à utiliser cette expression pour mes enfants. Enfin bref, tout un tas de mensonges éhontés, de manière à exercer une pression sur le maire et m'interdire l'accès à la crèche, à moi ainsi qu'à ma femme, et m'obliger en quelque sorte à déménager. C'était le but recherché.
Comme cela n'avait pas suffi, ces fonctionnaires de police qui se baladaient quand même dans leur jardin avec leur arme de service et ont alerté donc le commandant de police qui a lui-même alerté le préfet du Tarn et donc a été mise en place un système de surveillance pendant 2 mois et demi. Donc il y avait deux quarts de CRS, deux estafettes, deux camionnettes de CRS ou de garde mobile qui étaient stationnées en permanence toutes les nuits pendant 2 mois et demi juste devant mon domicile. Donc c'était soi-disant pour nous protéger, ma femme, mes enfants et moi. En réalité, ces équipes faisaient en fait en quelque sorte du renseignement et surtout voulaient instiller, étant donné que le trouble à l'ordre public n'était pas fondé, puisque ma femme et moi, nous ne connaissions pas l'identité des personnes qui avaient écrit au maire. Le maire avait refusé de nous donner leur identité. C'est une voisine, en fait, qui a craqué et qui a fini par venir nous voir et nous dire: je sais qui a écrit la lettre de dénonciation calomnieuse. Et elle nous a simplement indiqué la maison de ces braves patriotes. Et ma femme a été regarder la boîte aux lettres pour avoir les patronymes de ces personnes-là. Ensuite, moi, j'ai été sur leur profil Facebook pour voir qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous voulaient, pourquoi. C'est comme ça que je me suis aperçu qu'ils avaient des idées d'extrême droite et surtout qu'ils étaient liés à plusieurs notables de la ville et de la région et qu'ils ont instrumentalisé les pouvoirs publics, hein, puisque ça a été jusqu'à nous accuser d'avoir déposé un colis piégé. Ce colis piégé, en fait, en réalité, était un colis qui contenait des livres et des jouets qui avaient été mal acheminés. Et donc, ces gens-là, au lieu simplement d'appeler la poste et dire que le colis qui avait été mal acheminé, ont cru bon d'appeler le commandant de police. Et donc, il y a une brigade qui est venue de Toulouse, de déminage, qui est venue, qui s'est déplacée, qui a bouclé tout le quartier, qui a rajouté encore plus de psychose dans le quartier. Donc, lorsque moi j'ai eu le nom et le nom, le prénom et de ces deux individus et leur belle-mère, hein, puisque en fait ils étaient trois personnes qui étaient à la manœuvre et qui avaient des liens forts avec beaucoup de notables de la ville, du chef-lieu de département et de la région en termes généraux. Il y avait eu même un meeting du Rassemblement national où mon nom avait été évoqué. Donc en fait, toutes ces nouvelles me sont remontées et là, le préfet a décidé de perquisitionner le domicile familial qui en réalité était le domicile de ma femme, puisque seule ma femme était propriétaire de la maison. Et donc ils l'ont fait en son absence, pendant que mes enfants étaient à l'école, et juste après mon pointage. Donc juste après mon pointage, j'ai été mis en garde à vue, sans aucune raison. On m'a interdit d'appeler mon avocat, on m'a interdit d'appeler ma femme, et on m'a conduit à mon domicile en étant menotté avec plusieurs officiers de la police, de police judiciaire, avec plusieurs policiers de l'antiterrorisme. Donc c'était le GIGN. Ils étaient sept personnes du GIGN cagoulées et il y avait des gens également de l'administration, de la police, de la préfecture, des officiers donc il y avait en tout une quinzaine de personnes dont la moitié était cagoulée. Et là, on a opéré une perquisition administrative dans mon domicile. Ils ont vérifié notamment un ensemble de choses et ils ont pris donc tous les téléphones qui se trouvaient dans la maison, y compris un vieux téléphone de mon épouse, toutes les clés USB, toutes les cartes SD-RAM, tous les ordinateurs, la tablette de la maison. Pendant 17 jours, ils ont pris toutes les données qui étaient contenues dans ces appareils. Cette enquête-là a permis, en fait, de m'éloigner de ma famille, puisque c'était l'objectif de cette perquisition administrative, bien qu'elle n'ait rien donné. Le but était de démontrer qu'il
il y avait des raisons sérieuses de penser que j'aurais pu m'en prendre donc à ces voisins qui nous avaient calomniés et qui avaient tenté d'obtenir par tous les moyens qu'on déménage. Et donc ce harcèlement a continué, y compris après mon éloignement de ma femme et mes enfants, puisque l'épisode dont je vous ai parlé avec le fameux faux colis piégé, en fait, ce colis-là, c'était moi qui l'avais envoyé à ma femme et mes enfants quelques mois après mon éloignement de la ville de Carmo. Il faut savoir que cet événement s'est produit pendant l'état d'urgence qui a pratiquement duré pendant 2 ans en France. La plupart des gens l'ont peut-être oublié, mais pendant 2 années en France, il y avait un état d'urgence. La dernière fois que l'état d'urgence avait été prononcé, c'était pendant les émeutes en 2005 dans les banlieues françaises. Il n'a pas duré très longtemps et puis il était localisé. Et la fois d'avant, c'était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, pendant les événements qu'il y a eu, notamment en France métropolitaine, comme par exemple les événements de Charonne et d'autres événements où on a jeté des Algériens, mais aussi il y a même eu d'autres personnes, je crois qu'il y a eu des Marocains, des Tunisiens également, qui ont été jetés à la Seine devant les gens. Et cette opération a été commanditée par le fameux préfet Papon. Alors, ironie du sort, juste cette petite anecdote, il se trouve que le préfet Papon, une fois, on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre dans une cellule de paroi. Il était juste à côté de moi. C'est vraiment parce qu'à l'époque il était incarcéré donc à la santé. Moi également j'étais à la santé, j'étais au quartier d'isolement, lui il était au quartier VIP. Et j'ai eu comme des sueurs froides, d'autant plus que la personne qui est venue me voir ce jour-là, c'était mon père. Et mon père a été torturé pendant la guerre d'Algérie à l'âge de 15 ans. Son propre père, c'est-à-dire mon grand-père paternel, a été tué par l'armée française. Et je vous assure que quand vous voyez ça, oui, c'est glaçant. C'était sa fille qui venait le voir. Mon père ne savait pas que la dame qui était venue, avec qui il avait échangé juste avant, était la fille de Maurice Papon. Et lorsque je lui ai dit ultérieurement, ça lui a fait quand même bizarre. Ma belle-fille a une douzaine d'années. D'ailleurs, à cette époque-là, il y a un prof qui l'agresse, qui la projette sur un anneau. Elle manque de se faire éborgner parce qu'elle avait simplement eu une réponse un petit peu cavalière. Et donc, sachant que c'est la belle-fille, entre guillemets, du terroriste, pour se couvrir, il invente tout un scénario selon lequel ma fille aurait tenu des propos antisémites et aurait fait une apologie de terrorisme, donc à l'âge de 12 ans. Heureusement que ses camarades témoignent en sa faveur et qu'on s'aperçoit que l'histoire est cousue de fil blanc et qu'il a manipulé le proviseur, qu'il a manipulé une de ses collègues de travail pour lui faire un témoignage allant dans son sens, simplement parce qu'il savait que j'avais de bons avocats et qu'il craignait d'avoir des problèmes avec sa hiérarchie. Donc fort heureusement, cette personne-là, parce qu'on est tombé sur des gens compréhensifs, a été éloigné de l'établissement, sachant qu'il était en fait, il n'était pas professeur, mais il était responsable du CDI, du Centre de Documentation et d'Information de l'établissement, et que souvent les gens qu'on met dans ce genre de poste-là, c'est qu'ils ont eu déjà des problèmes avec les enfants, des choses liées par exemple à des agressions sexuelles, ou des choses de cet ordre-là. Donc c'est une manière de les mettre au placard sans les virer. Donc ma fille a été profondément traumatisée par cette histoire. La procédure, il y a eu une enquête préliminaire
qui heureusement s'est terminée par une relaxe, c'est-à-dire que, pardon, par un non-lieu. Donc un non-lieu, donc ça veut dire que les faits qui l'incriminaient ont été considérés comme nuls et non avenus. Elle a été obligée de quitter peu de temps après le circuit normal de l'enseignement pour choisir un enseignement à distance parce que il n'y a pratiquement eu aucun de ses professeurs qui l'a soutenu et très peu de camarades de classe qui l'ont soutenu dans cette affaire, à part bon, les témoignages qu'il a fallu obtenir pratiquement au forceps parce que les familles des élèves avaient peur de parler parce que évidemment témoigner en la faveur de la belle-fille du terroriste, eh ben ça peut valoir des problèmes. Enfin, les gens ne connaissant pas la justice, ne connaissant pas le fonctionnement de la justice, ne connaissant pas pour la plupart le fonctionnement de la police, etc. Dès qu'on leur met un peu la pression, ou dès qu'ils sentent qu'il peut y avoir une pression exercée contre eux, eh bien, la plupart d'entre eux sont peureux. Et la plupart d'entre eux n'acceptent pas, même simplement, de témoigner, de dire la vérité. Donc, fort heureusement, c'est des enfants, des collégiens, qui ont eu plus de courage que leurs parents. Alors, bien sûr, il y a eu des parents qui ont été scandalisés, qui ont également témoigné, mais la plupart des témoignages ont été obtenus par des camarades de classe, donc de ma belle-fille, bon, bien sûr, sous couvert de leurs parents, puisqu'ils étaient mineurs. Et c'est ce qui a permis à ma fille, fort heureusement, de ne pas être inquiétée, de ne pas avoir d'inscription quelconque à son casier judiciaire, alors qu'elle était parfaitement innocente par rapport aux faits qui lui étaient, enfin, par rapport aux récriminations qui lui étaient faites. Donc cette période d'état d'urgence a été très très éprouvante pour moi, ma femme et mes enfants. On a été stigmatisés, on a vécu vraiment pendant 2 années, 2 années terribles. Ma femme a fait une dépression, un burn-out. Elle a été arrêtée pratiquement pendant 1 année. Là, étant donné qu'elle est fonctionnaire de l'éducation nationale, sa hiérarchie a voulu la placardiser et a voulu donc lui faire perdre son emploi en essayant, en exploitant le fait qu'elle avait été arrêtée médicalement par son médecin traitant pendant près d'une année. Donc heureusement, elle a repris les cours juste avant ce délai de 1 an, et c'est ça qui lui a permis d'éviter d'être radiée de l'éducation nationale. Mes enfants étaient perturbés. À titre d'anecdote, j'avais ma fille qui une fois elle s'est présentée à une compétition de judo et donc lorsqu'on l'a appelée pour ne pas les gens étaient embarrassés donc sa prof de judo l'a appelée par non pas son patronyme réel qui est le mien Daoudi mais par le patronyme de sa mère donc là elle était un peu déstabilisée elle savait pas si c'était d'elle qu'on parlait si c'était de quelqu'un d'autre. Et donc, elle a mis un petit moment avant d'aller sur le tatami pour terminer sa compétition, d'ailleurs, où elle a obtenu une médaille, elle est arrivée deuxième. Et donc, à la fin de cette compétition, elle a été voir sa maman et elle a dit « Maman, finalement, c'était pas si mal qu'il m'ait appelé par ton nom de famille plutôt que celui de papa, parce que sinon, ça aurait été la honte. » Voilà. Donc, ma fille, à l'époque, elle avait 5 ans, enfin 6 ans. C'est cette même fille qui est née pendant que j'étais en prison, qui est venue me voir pour son premier parloir, elle avait 15 jours. C'est cette même fille, alors qu'il y avait une prison juste à proximité de mon domicile, on m'a éloigné à 450 km, et que sa mère est venue enceinte d'elle, puisqu'elle était encore enceinte, à la première visite, elle est venue enceinte, elle a parcouru 450 km pour me remettre un colis de Noël. Voilà, c'est cette même fille qui, lorsque j'étais en prison et qu'elle était bébé, elle se mettait face à la vitre de la fenêtre et elle disait papa, 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 quand elle a commencé à prononcer ses premiers mots. Voilà, mon fils, pareil, Allez. juste une petite anecdote pour vous montrer à quel point ma famille a été impactée.
Mon fils, en fait, il disait à sa mère, moi, quand je serai grand, je serai policier, comme ça je pourrai accompagner mon papa. Si jamais on le change de lieu d'assignation à résidence, c'est moi qui conduirai la voiture de police. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'ont ciblé mes enfants, sachant que mon fils, une fois, ma femme, alors qu'elle passait à proximité de l'école, a vu qu'il y avait d'autres gamins qui étaient en train de le taper et qui le mettaient dans une espèce de cabane en bois comme on peut en voir dans les parcs ou bien dans les cours de récréation, en lui disant de faire le chien. Voilà. Donc ça a été signalé à sa professeure, ça a été signalé à la directrice et ils n'ont pas su quoi répondre. On a demandé à voir les parents de ces enfants-là pour leur demander comment, puisque selon notre analyse, les enfants ont tout simplement dû entendre une conversation de leurs parents nous concernant. Des choses, certainement des propos orduriers. Et c'est comme ça que mon fils a été traité pendant pratiquement une ou presque 2 années pendant la période de l'état d'urgence. Il était à l'école en maternelle, alors il ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà, ma fille, on a fait mine de la percuter en voiture, c'est-à-dire qu'il y avait à plusieurs reprises, il y a eu au moins à 2 ou 3 reprises, il y avait des voitures qui arrivaient en accélérant, qui s'arrêtaient à quelques mètres d'elle. Donc, le propre de l'assignation à résidence pour le ministère de l'Intérieur consiste à prendre, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'être citadin et de le mettre dans un milieu rural, réciproquement. Prendre quelqu'un qui a toujours vécu dans un milieu rural et le mettre dans une ville. Moi, souvent, je compare l'assignation à résidence au bannissement. À l'époque, les gens qui étaient considérés comme indésirables, les gens qui étaient considérés comme irrécupérables par les élites de la nation, on les envoyait à Cayenne, ou on les envoyait aux îles Marquises, ou on les envoyait en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on considérait que c'était la lie de la société, que ces gens-là ne pourraient pas de toute façon se resociabiliser, se réintégrer dans une société et se conformer à des règles sociales édictées par les puissants. On les considérait comme des marginaux, ils étaient marqués au fer rouge, au sens propre comme au sens figuré, et lorsqu'ils avaient effectué leur peine, de travaux forcés le plus souvent, et lorsqu'ils tentaient de revenir dans la société, le simple fait d'avoir tatoué sur leur bras ou sur leur épaule un numéro au fer rouge, comme quoi ils avaient été des bagnards, faisait qu'il était extrêmement difficile pour eux de ne pas sortir de la marginalité et finalement de rester toujours au banc de la société, donc de ne pas pouvoir travailler, donc forcément de ne pas pouvoir avoir de domicile, de ne pas pouvoir se nourrir correctement et d'être en quelque sorte obligé, pour pouvoir survivre, de commettre de nouveau des larcins et donc rester dans cette logique de marginalité. Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus besoin de bannir les gens, en tout cas on n'a pas besoin de les éloigner loin, et encore ça a été proposé par certains députés qui vivent toujours dans leur tête à l'époque des bagnes, parce que certains députés ont par exemple proposé que les gens qui étaient condamnés pour des faits avérés ou non de terrorisme soient envoyés aux îles Kerguelen. Et en fait, cette proposition-là avait été sérieusement discutée. Et c'est simplement pour des raisons économiques hein, qu'on avait mis fin à cette proposition, dans la mesure où on se posait des questions sur la façon d'acheminer, non pas les prisonniers, mais les personnes qui allaient les garder, et qu'on imaginait que ça allait poser tout un tas de problèmes logistiques pour envoyer les gardiens de prison, etc. etc. Donc l'assignation à résidence est une forme de bannissement. Alors, le bannissement se fait comment? Le bannissement, il se fait déjà en contrôlant votre localisation et votre temps. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si on peut contrôler la position d'une personne, son X, son Y, son Z, donc son abscisse, son ordonnée, sa côte, et le temps, son temps, c'est-à-dire si on peut contrôler ces quatre dimensions, eh bien cette personne-là, elle est prisonnière en quelque sorte. Puisque pendant l'assignation résidence, on va vous demander de pointer à des heures fixes. Alors,
pourquoi on vous demande de pointer à des heures fixes et non pas simplement à deux ou trois reprises comme ça quand vous voulez dans la journée? Parce qu'il s'agit de vous créer une routine. Et cette routine, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut assimiler à ce qu'on appelle la torture de la goutte. Alors la torture de la goutte, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Elle a eu des ancêtres en Chine, mais elle a été pratiquée dans les années 70, 80, voire 90 dans les prisons israéliennes. Ça consistait à immobiliser un détenu, le mettre dans une espèce de cavité, de manière à ce qu'il ne puisse pas bouger. Et donc on fait tomber à intervalles réguliers une goutte d'eau sur son front. Alors comme ça, ça peut paraître rigolo. Il y a une goutte qui tombe, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Le problème, c'est qu'à la millième goutte ou à la dix millième goutte, on a l'impression que cette goutte, elle pèse une tonne. Et donc, ça crée des problèmes psychologiques et c'est une véritable torture. Ben, la torture de la goutte, c'est un petit peu la même chose pour l'assignation à résidence. On va vous obliger à refaire une journée. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le jour de la marmotte. Et bien, à une époque, j'ai fait mes calculs. J'ai calculé que, parce que moi, je n'ai pas la possibilité de conduire, hein, puisque le permis est considéré pratiquement comme une pièce d'identité. Donc, même si j'avais le permis, bon, je n'ai pas le permis. Enfin, j'ai essayé de le passer à plusieurs reprises, mais passer le code, j'ai obtenu le code. Et lorsqu'il a fallu passer la conduite, on m'a dit, ben non, vous ne pouvez pas passer la conduite puisque vous ne pouvez pas quitter la commune. Donc là, j'ai été obligé de renoncer. Et donc, oui, en fait, il y a un rituel qui est fixé. C'est le même rituel qu'on utilise notamment pour les sentinelles. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'appuyer sur un bouton à intervalles réguliers pour être sûr qu'ils ne vont pas quitter leur poste et qu'ils vont être là au moment, enfin, pour faire leur tour de garde. C'est très usant. Sur la durée, c'est extrêmement usant. Alors les personnes, tout le monde a été confiné pendant 3 mois, donc tout le monde a vécu un petit aperçu de l'assignation en résidence, en étant empêché de sortir, en étant empêché de travailler, en étant empêché de voir ses proches. Donc moi, ça, je le vis depuis 12 ans. Et en plus, je dois me présenter au commissariat à heure fixe, et donc ça crée un rituel qui vous déshumanise complètement. Parce que vous imaginez bien que quand vous devez pointer 3 ou 4 fois par jour, vous n'avez plus de vie sociale. Moi, j'ai calculé que pendant une période d'environ 2 années, j'ai pratiquement parcouru 2 fois le tour du monde en vélo pour me rendre à mon pointage. Ça veut dire 4 allers-retours à raison de 5 km par... à l'époque, mon domicile était à 5 km de la gendarmerie. Donc, tous les jours, je faisais donc 8 fois 5, 40 km à vélo minimum, puisque bon... J'avais besoin de me déplacer également pour faire des courses, etc. Et donc, vous voyez, sur une année, ce que ça fait, hein, ça va très très vite. Hein. Vous faites 40 fois 365, et déjà là, on arrive à des milliers de kilomètres, et puis sur 2 années, puis sur 12 années, bon, c'est plusieurs fois le tour du monde. Mortifère, elle est psychologiquement très ravageuse, parce qu'on a l'impression de revivre en fait la même journée, tous les jours. Et on n'a plus de contrôle ni de son espace, ni de son temps. On a l'impression d'être comme une particule, enfin je ne sais pas si vous avez vu, des particules de poussière, ce qu'on appelle un mouvement brownien, c'est-à-dire des petites particules de poussière qui se déplacent dans l'air, et on a l'impression qu'elles se déplacent de façon complètement aléatoire. Ben voilà, quand on est assigné à résidence, on a l'impression d'être cette petite particule qui se déplace de façon aléatoire sans pouvoir avoir le moindre contrôle sur sa trajectoire. Et lorsqu'en plus, on est éloigné de sa famille, ce qui est mon cas depuis plus de 3 ans et demi, hein, puisque j'ai quitté ma famille en novembre 2016, on est en 2020. Donc en novembre prochain, ça fera 4 ans. Ça veut dire que mes enfants peuvent venir me voir que quand leur mère a la possibilité de se déplacer, que voilà, tout ça, c'est un coût. Pour les impôts, pour tout un tas de démarches administratives, c'est extrêmement compliqué, puisque voilà, on est théoriquement en couple, mais c'est juste de la théorie, puisque physiquement on est séparés. Donc tout devient extrêmement compliqué. La moindre démarche, on ne rentre pas dans les clous, on ne rentre dans aucune case. Et donc par exemple, moi, je suis pris en charge par la sécurité sociale
et la mutuelle de la mère de mes enfants. Et donc, comment dire, à chaque fois, je suis obligé d'avancer les frais parce que je ne peux pas avoir de carte vitale, étant donné que j'ai juste un récépissé qui me sert de pièce d'identité. Quand je vais chez le dentiste, bah, j'avance tous les frais. Là, je suis allé par exemple chez le dentiste dernièrement, bah, j'ai payé 500 euros alors que je n'ai aucun revenu, puisque je n'ai pas le droit à des aides de l'État, je n'ai pas le droit de travailler. Depuis mon éloignement, en fait, tout a été fait pour m'empêcher de travailler. À l'époque, j'avais des papiers d'identité qui me permettaient de travailler, même si je ne trouvais pas de travail. Et maintenant que j'ai réussi à trouver du travail, je n'ai pas le droit de travailler. Je pourrais travailler, mais ça serait considéré comme du travail clandestin. Donc, je pourrais être poursuivi et éventuellement avoir des amendes ou être même mis en prison pour travail clandestin. C'est extrêmement compliqué. En fait, il y a plein. On a l'impression comme ça que le simple fait de faire pointer une personne tous les jours au commissariat, bon, d'autant plus que si ces rituels ne sont pas respectés à la lettre, il y a des peines de prison qui tombent. Si je rate un pointage, je risque jusqu'à un an ferme. Si je quitte la commune, je risque jusqu'à 3 ans ferme. Donc, c'est-à-dire que c'est une procédure administrative, mais qui peut avoir des conséquences judiciaires. Et c'est ça, peut-être qu'on va voir après, dans le dernier volet, peut-être dans l'intervention, c'est comment toutes ces dérives-là ont été possibles. Comment on est passé, comment l'état d'exception a infusé dans le droit commun, et comment on s'est retrouvé avec des lois au départ qui étaient soi-disant antiterroristes, et qui ont commencé à concerner des syndicalistes, puis des manifestants, puis des militants politiques, de simples manifestants qui vont dans des manifestations, puis tout un chacun. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué, et cet effet cliqué, il est dévastateur. Au départ, les premières lois antiterroristes, c'est 1986. Donc ça date pas d'hier. Hein. Et à chaque fois, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et certains parlementaires extrêmement réactionnaires ont toujours eu des solutions sous le coude pour mettre à mal les libertés publiques. Parce que, tout simplement, une élite, pour pouvoir asseoir son pouvoir, elle a besoin de diviser les gens, elle a besoin de s'en prendre à leur liberté publique, elle a besoin de s'en prendre à leur liberté de circulation, elle a besoin de s'en prendre à leur liberté d'expression. Et voilà, on vit dans un monde hyper connecté. Avant, les politiques pouvaient peut-être tenir des discours de propagande qui étaient plus facilement validés par les gens, mais maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, avec la puissance d'Internet, même les services de renseignement ne peuvent pas raconter des cracks aux gens, quoi. Ça se saurait assez rapidement. L'affaire, par exemple, Wikileaks, ou des lanceurs d'alerte comme Snowden, ou bien... il y a eu plein de lanceurs d'alerte dans le domaine du renseignement, comme dans le domaine économique, comme dans le domaine d'affaires géopolitiques, ou d'affaires de syndicalistes, etc., ont permis de démontrer que entre le droit et l'application du droit, il y avait tout un monde. Je rappelle que ça fait maintenant un quart de siècle que le plan Vigipirate a été mis en place. Le plan Vigipirate, c'est 1995, on est en 2020. Et maintenant, c'est parfaitement normal de voir des militaires munis de fusils d'assaut chargés. C'est pas des baladements qui ont des fusils d'assaut. C'est-à-dire que si jamais il y a un soldat qui pète un plomb et qui tire dans le tas, ça fait des morts. Et c'est arrivé même en manifestation où des militaires ou des gendarmes ont dégainé leurs armes. Hein. Il y a des vidéos qui ont été publiées dans les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Facebook, lors de certains actes, notamment des Gilets jaunes, et pas seulement, dans les manifestations aussi contre la loi travail ou contre la réforme des retraites, où il y a certains gendarmes ou certains gardes mobiles ou certains éléments de la BAC qui ont carrément dégainé leurs armes et menacé de s'en servir devant la foule. Alors heureusement, il n'y a pas eu dérapage au point qu'il y ait des morts. Et encore, on pourrait parler des violences policières et des violences judiciaires qui ont quand même éborgné plusieurs dizaines de personnes. C'est
C'est irréversible, hein, quand on a perdu un œil, quand on a perdu un bras, une jambe, c'est terminé, on récupérera pas, on aura une prothèse au mieux. Et voilà, et il y a des militants qui n'étaient pas militants avant, qui étaient de simples citoyens, qui se sont révoltés, rebellés, parce qu'ils considéraient que les institutions ne les représentaient plus, que ces institutions se servaient au lieu de servir l'État, et bien mal leur en a pris, puisqu'ils ont été mis au banc de la société. On les a accusés des pires choses, d'être racistes, antisémites, voire même d'être des alliés objectifs du terrorisme. Enfin bref, il y a eu des accusations extrêmement graves. Alors il faut savoir que dans le droit humaniste, la légitimité de l'État, si tant est qu'on considère que l'État a une légitimité, donc la légitimité de l'État à punir, elle est fondée sur, en gros, deux principes. Le principe des garanties procédurales et le principe que ce qui est jugé, c'est un passage à l'acte. C'est-à-dire, on vous juge par rapport à des faits et non pas par rapport à des intentions ou par rapport à des idées. Donc ça, c'est le principe du droit humaniste. À partir du moment où ces principes du droit humaniste ne sont plus respectés et qu'on passe petit à petit dans une espèce de justice à la Minority Report, pour ceux qui ont vu le film, c'est-à-dire où on va vous condamner avant même que vous n'ayez commis le moindre acte, avant même que vous n'ayez pensé à commettre un forfait, eh bien, grâce à ce qu'on appelle des précons, hein, dans le film, c'est-à-dire, mais ces précons-là, ces précogs plutôt, ça pourrait être des algorithmes, hein, à notre époque, hein, c'est-à-dire que la réalité est pratiquement en train de rattraper la fiction. Ces personnages de fiction qui ont cette faculté de prédire l'avenir, en se trompant quelquefois, puisque c'est l'objet du film, où le protagoniste du film va se rendre compte que finalement, personne ne peut connaître le futur à 100%. Eh bien, de plus en plus, on vit dans une société qui est envahie par les algorithmes. Les algorithmes déterminent tout de notre vie, que ça soit la bourse, que ça soit la façon dont les élèves, lorsqu'ils ont eu leur baccalauréat, vont être sélectionnés pour aller dans tel ou tel établissement, pour savoir quels sont les investissements que va faire l'État dans tel ou tel domaine. Bref, les algorithmes déterminent pratiquement la totalité de nos vies, sans même que nous puissions nous en rendre compte au quotidien. Qui se dit que finalement, toutes les décisions politiques qui vont être prises, ce sont essentiellement des décisions qui sont basées sur des avis d'experts. Et ces avis d'experts se basent eux-mêmes sur sur des algorithmes extrêmement compliqués, mais qui sont programmés par des êtres humains et qui y mettent ce que veulent bien mettre les êtres humains. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, un ordinateur n'est pas neutre, un algorithme n'est pas neutre. La façon de programmer détermine le résultat du programme. À moins de mettre en place justement une espèce de comité qui aurait un certain droit de regard, un petit peu comme il existe des comités d'experts dans le milieu médical. Mais encore là, et encore là, on pourrait se poser la question sur comment mettre en place ces comités et quel type d'intelligence artificielle il faudrait mettre en œuvre pour éventuellement contrer d'autres types d'intelligence artificielle. Mais enfin, ça, c'est un sujet très vaste et je ne voudrais pas m'y étendre. Face à la disproportion de l'arbitraire qui m'est fait, pourquoi ou ai-je envie de me venger? Alors, je n'ai aucune envie de vengeance. Si j'avais eu la moindre envie de vengeance contre cet arbitraire, je l'aurais mise en œuvre depuis bien longtemps. J'aurais pas attendu depuis 2001, on est en 2020, 19 années de ma vie. J'aurais pas perdu 19 années de ma vie à me battre, mais sur le plan juridique, sur le plan de la loi, même si je dis souvent, je crois en la loi, mais est-ce que la loi croit en moi? Je n'aurais pas mis toute cette énergie, tout cet argent, puisque ça m'a coûté, et ça a coûté à ma femme, plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour essayer de faire entendre ma voix et pour essayer surtout de faire prendre conscience aux gens que l'aventure qui m'est arrivée peut très bien leur arriver demain.
Combien de personnes s'imaginaient qu'elles pourraient un jour être éborgnées ou perdre un bras ou perdre une jambe ou être gazées comme de vulgaires. Enfin, personne ne mérite d'être gazé, mais qui aurait encore imaginé cela quelques années en arrière? Le simple fait d'aller à une manifestation serait vu comme une espèce d'affront à l'élite dirigeante. On aurait dit ça à quelqu'un qui aurait vécu en 2000, ou même en 2010, il aurait dit, mais non, ça se passe dans les pays dictatoriaux, ça ne se passe pas dans le pays qui affiche sur le fronton de ses mairies, de ses écoles, liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, on y est. Et pourtant, on y est, et on n'y est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas envie de me venger, ni contre l'État, ni contre les représentants de l'État, parce que je sais que, déjà, cette vengeance n'aurait aucune utilité. Elle ne ferait que confirmer, finalement, ce que les gens qui m'ont imposé tout cet arbitraire ont dit de moi pour justifier cet arbitraire. Donc, ça serait leur donner raison. Deuxièmement, ça serait, bien sûr, saboter toute forme de futur, ça serait saboter toute forme d'avenir, auquel je continue à croire désespérément, même si après un traitement aussi difficile, c'est encore difficile, c'est difficile d'entrevoir encore de l'espoir, mais voilà, en tout cas, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et je me raccroche à cette vie, même si elle est de peu. Donc voilà, je ne voudrais pas, bien sûr, éliminer toute forme d'espoir. Je dois le confesser, hein, c'est difficile de le dire, d'autant plus de vous le dire, alors que peut-être beaucoup de personnes de ma famille qui peuvent éventuellement voir votre flux vidéo, ou qui peuvent le voir un jour, même mes enfants, je dois le confesser, oui, bien sûr, j'ai eu des idées noires. Il m'est arrivé, par exemple, lorsque j'allais au commissariat, il y a une voie ferrée qui traverse. Quelquefois, je traversais sans faire attention si le feu était au rouge ou au vert, quoi. Et tout en connaissance de cause, en me disant, bon, bah, voilà, si j'ai de la chance, ça se passera bien. Bah, si j'ai pas de chance, tant pis, quoi. Et voilà, donc, bien sûr, on est des êtres humains et il y a des gens qui étaient extrêmement solides, hein, vraiment psychologiquement extrêmement solides et qui se sont effondrés. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui ont été assignées à résidence pendant plusieurs mois et qui m'ont envoyé des messages de soutien, dans des commentaires pour dire, ouais, franchement, bravo, parce que nous, on a vécu juste quelques mois d'assignation en résidence pendant l'état d'urgence, ce qu'on appelait des mesures, des MICAS, et toi, on ne sait pas comment tu fais pour tenir depuis 12 ans. Alors moi, je leur réponds, moi, je tiens depuis 12 ans parce que, voilà, j'ai une femme qui a été à mes côtés, qui m'a soutenu dans les moments les plus durs, j'ai mes enfants également qui m'ont soutenu. Malgré tout ce qu'ils ont pu subir, on a essayé de les protéger au mieux, on a essayé toujours de leur dire la vérité avec des mots simples, mais leur expliquer, jamais leur mentir, justement pour qu'ils n'aient pas cette volonté de se venger. Parce que finalement, il y a un auteur célèbre, dont je ne me souviens plus du nom, qui disait que la vengeance, ça consiste à s'injecter un venin et attendre que ça soit celui de qui on veut se venger qui meurt. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on se venge, on espère que la personne dont on veut se venger, ou le système dont on veut se venger, va mourir. Et en réalité, ce venin qu'on croit lui injecter, on se l'injecte à soi-même, on devient aigri, on devient totalement... enfin, on rentre dans une logique complètement mortifère, complètement nihiliste. Et voilà, moi, c'est vrai que je fais l'objet de propos orduriers, hein. Vous pouvez
pouvez le constater vous-même sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à taper mon nom, regarder les commentaires sur Facebook et Twitter. Vous apercevrez que les insultes, les menaces de mort, les insultes racistes, etc., sur moi, sur ma famille, mes enfants, ne manquent pas. Hein. Si je devais faire une compilation, je pourrais remplir facilement un disque dur entier. Mais il y a également des gens qui me soutiennent et des gens qui viennent de tous les horizons. Des gens qui sont athées, des gens qui sont agnostiques, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des gens qui n'ont pas forcément de religion. Mais c'est des gens qui sont humains. C'est des gens qui croient aux principes humanistes. C'est des gens qui comprennent qu'on ne peut pas punir comme ça, ad vitam aeternam, dans une espèce de supplice à la Sisyphe, un individu, même s'il a fauté, même s'il a commis une erreur, et que finalement, moi je considère, moi je leur dis, je l'ai dit à plusieurs magistrats, je leur ai dit, ce que vous m'infligez là, franchement, c'est de la torture. Et moi je préfère, j'aurais aimé à la rigueur que la France n'ait jamais aboli la peine de mort, et qu'on m'inflige la peine de mort, parce que finalement... C'est pratiquement plus doux, hein, comme dirait le fameux Guillotin. Il avait une phrase célèbre pour dire que la mort par la guillotine était expéditive et qu'on sentait la lame. Alors, je ne sais plus sa formule, mais il y a une formule assez ampoulée pour dire que finalement, on sent juste le vent de la lame, quoi. Et puis après, plus rien. Mais bon, personne n'en est revenu, alors il faut pas savoir si c'est vrai ou pas. En quoi tout cet arbitraire est invasif? Il est invasif sur plusieurs plans. Il est invasif parce que je n'ai plus pas de vie sociale, je n'ai pas de vie familiale, je suis potentiellement surveillé à tout moment, y compris actuellement. Elle est très invasive parce que finalement, et c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, et puis bon, on est parti sur autre chose, mais dans l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en fait, c'est pas tellement la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement ce que la justice a besoin de faire pour prouver une association de malfaiteurs, c'est ce qu'elle n'a pas besoin de faire. Donc, par exemple, dans le cadre d'une association de malfaiteurs, qu'elle soit terroriste ou pas, la justice n'a pas besoin de déterminer des faits. Elle n'a pas besoin de déterminer la nature des faits. Et elle n'a pas besoin de déterminer un projet précis. Elle n'a pas besoin de déterminer le rôle précis dans l'entente. Parce qu'une association de malfaiteurs s'est définie comme une entente en vue de commettre un délit ou un crime. Donc, la justice antiterroriste n'a pas besoin de déterminer le rôle précis de chacun dans cette entente. Elle n'a pas, une entente, elle commence à partir de deux personnes. Voilà. Donc une association de malfaiteurs, ça commence avec deux personnes. Il suffit qu'on vous soupçonne, vous et votre femme, ou vous et votre père, ou vous et votre fils, et voilà. Ça suffit à constituer une association de malfaiteurs. Par ailleurs, il n'y a pas besoin qu'au moment où on vous met en examen pour association de malfaiteurs, que les autres personnes soient identifiées. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir recours à des manipulations. C'est arrivé en France. Il y a par exemple un physicien nucléaire, un physicien spécialisé dans la physique nucléaire, qu'on a mis en examen dans une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Bien sûr, sa vie professionnelle était ruinée. C'était quelqu'un qui travaillait pour le centre atomique qui se situe à la frontière entre la France et la Suisse. Et donc, on l'a accusé, cette personne, d'entretenir des relations avec une personne qui aurait été terroriste. Et bon, il s'est avéré qu'ultérieurement, selon l'enquête, en fait, cette personne-là, c'était un officier du renseignement algérien, qu'on avait fait passer pour un terroriste. Et donc, pour pouvoir l'accuser d'une association de malfaiteurs, vu qu'il était tout seul, il fallait bien lui rattacher quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle n'avait pas été arrêtée, elle n'avait même pas été identifiée de façon exacte. Juste, elle avait juste un pseudo, en fait, sur une discussion en chat. Donc ça, c'est déjà arrivé. Dans l'association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise ou non, la durée
des contacts entre les personnes qui ont participé à cette entente, elle est indifférente. C'est-à-dire, vous pouvez avoir vu une personne pendant 5 minutes ou l'avoir fréquentée pendant 10 ans, c'est pareil. La justice antiterroriste n'a pas besoin de définir, déterminer, enfin d'individualiser le projet, c'est-à-dire de, en quelque sorte, de dire qui a fait quoi dans le projet de délit ou de crime. Donc il y a un flou total sur la responsabilité des personnes qui appartiennent à cette entente. Et ça, c'est l'aveu même des magistrats, dans leur rapport, dans leur rapport finaux, etc. Ils parlent d'appartenance à une nébuleuse. Hein. Vous avez déjà entendu ce terme, peut-être, dans les médias. Mmh. La nébuleuse Al-Qaïda, la nébuleuse de l'État islamique, etc. La justice n'a pas besoin de connaître les grandes lignes du projet. C'est-à-dire, il suffit d'avoir un schéma à peu près plausible d'un projet d'attentat, sans connaître réellement les cibles, sans connaître les relations entre les diverses personnes qui devraient participer à ce projet, etc. On parle de projet, hein. Là j'insiste. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans la commission d'actes. On est largement en amont, dans un projet. On parle juste de projet. Comment dire ? Enfin bref, il y aurait tellement à dire, je vais m'arrêter là. Mais tout ça, enfin, si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a une thèse qui a été faite par Julie Alix, qui est maintenant, enfin, qui était à l'époque étudiante et qui est maintenant professeur, enfin, qui est même maître, qui a obtenu sa thèse et qui dirige elle-même des thèses. Donc, son titre, c'est Terrorisme et droit pénal, études critiques des incriminations terroristes. En fait, lorsqu'on est assigné à résidence, lorsqu'on est dans une situation équivalente à la mienne, ce qui est recherché, c'est de casser tous les liens sociaux. Bon, moi je suis d'origine algérienne, donc ma langue maternelle c'est l'arabe. Et pour dire le mot homme en arabe, c'est l'insan, insan, insan. Et l'étymologie du mot insan, ça veut dire celui qui a besoin de compagnie. C'est-à-dire l'être humain, c'est la créature, l'être vivant, qui a besoin de faire société. Hein, dans la philosophie des Lumières, on parle d'animal social. Donc l'homme, le mot homme signifie en quelque sorte animal social, être vivant social. Lorsqu'on assigne à résidence une personne, on veut la déshumaniser en la désocialisant. Et je crois que c'est ça qui est important à comprendre pour chaque individu, quel qu'il soit. Parce que aujourd'hui, enfin moi, ça m'est arrivé en 2001, ça peut très bien arriver à n'importe qui aujourd'hui, demain. Si ça ne lui arrive pas à lui, ça peut arriver à un membre de sa famille, à un proche, à un ami, etc. Ce qui est recherché, c'est de casser les liens sociaux. Et on l'a bien vu, par exemple, dans la répression du mouvement des Gilets jaunes. L'idée, c'était de casser toutes les relations à travers plusieurs techniques, hein. Des techniques de guerre psychologique hein, appliquées à la police, où on va dire que telle personne tient des propos racistes, où on va essayer de faire en sorte que, par exemple, les gens qui habitent dans les quartiers populaires en banlieue se désolidarisent du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on va leur dire « Ah ben, méfiez-vous, les Gilets jaunes, ils sont racistes, ils sont xénophobes », ou alors on va dire « Voilà, ils sont antisémites, ou bien ils sont antiféministes hein. ». Ou bien on va stigmatiser certaines personnes en disant voilà, ils ont fait des fraudes à la sécurité sociale ou au Pôle emploi ou je ne sais quoi, que ces faits soient vraiment avérés ou pas du tout. Bref, il y a plusieurs techniques qui vont casser tous ces liens, parce que on imagine bien qu'un individu face à un État, il peut rien pour qu'une contestation politique puisse avoir lieu, il faut que plusieurs individus convergent et un projet commun et se mettent en marche, hein, sans mauvais jeu de mots, pour s'opposer à une République en marche, paraît-il. Notamment, parce que c'est le contexte actuel. On parle effectivement du comité Vérité et Justice pour Adama.
Oui, alors je n'ai pas de contact direct avec ce comité. Je le suis par le biais des réseaux sociaux, ne serait-ce que pour m'informer. Je considère que c'est une lutte qui est légitime, qui est juste. Cette lutte-là n'a pas commencé avec Adama Traoré. Et cette lutte existe depuis très longtemps. Il y a notamment des mouvements comme le mouvement immigration banlieue, le MIB, hein, qui a commencé déjà à la fin des années 70, début des années 80, à essayer, enfin, à faire des actions pour soutenir les familles des personnes qui avaient été victimes de violences policières dans des circonstances extrêmement sombres, hein. Il y a eu quand même des adolescents de 16 ans, 17 ans, des mineurs, des majeurs, qui dans les années 80, ça s'est documenté, hein, il suffit de regarder la presse de l'époque, ont été tués, qui par un policier, qui par un CRS, qui par un vigile, qui par un ancien militaire, enfin bref, malheureusement, ces vies qui se sont arrêtées d'un coup ont le plus souvent été classées dans la catégorie faits divers. Mais derrière tout ça, il y a une tristesse, enfin, il y a une injustice flagrante, puisque la plupart des gens qui ont été à l'origine de ces assassinats, on peut parler d'assassinats, de crimes, ou en tout cas de. Alors, j'aime pas le terme bavure, parce que comme dirait Coluche, je t'aurais vu la tête de la bavure. Quand on prend la vie d'une personne, je peux difficilement appeler ça une bavure. Pourtant, c'est souvent ce qui revient dans le jargon médiatique. Donc, ces luttes-là, elles existent depuis des années. Le problème, c'est qu'avant, elles étaient moins visibles parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que j'allais dire, il y avait l'INA, enfin, il y avait la propagande officielle, et puis que finalement, c'était toujours les syndicats de police, au ministère de l'Intérieur, qui écrivaient l'histoire. Donc, c'était difficile d'avoir un contrepoint, d'avoir un champ différent, un contre-champ qui permette d'appréhender les choses différemment. Oui, moi, je considère que ce combat est noble, qui mérite d'être mené, parce que dans un pays qui s'évertue à dire qu'il est respectueux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, je ne peux pas m'imaginer qu'un pays qui clament des principes aussi forts et aussi chers puisse mettre de côté une partie de sa population sous prétexte qu'elle ne partage pas nécessairement ni la même couleur de peau, ni la même religion, ni les mêmes coutumes ou la même culture. Voilà, la France a toujours été un carrefour de population depuis des millénaires. La France, c'est le métissage des Ostrogoths, des Visigoths, des Huns, des Vandales, et je pourrais citer tout un tas de peuplades qui venaient d'Asie centrale et qui ont fini dans le moule de l'État français à l'époque de la royauté ou après à l'époque de la République. Donc faire croire aux gens que la France est un peuple unique, bien blanc, qui n'a qu'une seule culture, c'est entièrement faux. Là, je rappelle quand même que les Antillais, les Guadeloupéens, sont plus français que, par exemple, les Savoyards. La Savoie a été intégrée à la France Il y a 150 après les ans. Antilles. On parle. Voilà, donc. Puis bon, il suffit de voir simplement les patois, hein, les langues, ce qu'on appelle les langues régionales, hein, parce que les patois, c'est peut-être un petit peu discriminant, un petit peu péjoratif. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de points communs entre le corse, le breton, le ch'ti. Le ch'timi, pardon, ouais, le ch'timi, parce que le ch'ti, c'est des habitants, je crois. Enfin, j'ai pas d'expertise en la matière. Hein. C'est la Première Guerre mondiale qui a fait que les patois étaient interdits. Puis bon, il y a eu ce qu'on appelait les hussards de la République qui imposaient. Enfin, c'était honteux de parler son patois ou sa langue régionale à l'école. Les gens ont peut-être la mémoire courte, mais ça a un siècle à peine, un peu plus d'un siècle,
Voilà, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, moi j'ai lu lorsque les Bretonnes arrivaient à Paris, on les appelait les Bécassines. Hein. Voilà, c'est pas si vieux en fait. Hein. Bon, Et c'est un siècle. voilà. Et en fait, de toute façon, à partir du moment où il y a un pouvoir, où il y a une élite face à une masse, il y a forcément des enjeux de pouvoir, il y a forcément des manipulations, il y a forcément des divisions qui sont exercées dans la population pour monter telle catégorie contre telle autre. Parce que tout simplement, le premier principe d'un pouvoir, c'est de le conserver. Un pouvoir, sa première règle, c'est de conserver son pouvoir. Pour pouvoir conserver son pouvoir, si c'est une minorité, bah bien sûr, il a besoin de diviser la majorité pour garder ce pouvoir. Donc, on n'a rien inventé, hein. Ça existe depuis les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains. Hein. Bon, maintenant, c'est fait de façon un peu plus fine, avec des pseudo-experts qui s'expriment sur les chaînes d'actualité, avec comment on appelle ça, des polémistes qui disent à la France entière comment elle doit penser sur certains sujets, avec des pressions économiques, des amendes, enfin bref, voilà, tout le monde peut s'imaginer dans. Mais voilà, si je dois retenir un point fondamental, et je pense qu'il résume, qui globalise l'ensemble des autres, c'est que il faut veiller à rester groupé, il faut veiller à s'unir sur ce qui nous rassemble et s'éloigner de toutes les divisions. Parce que ces divisions ne font que nourrir le pouvoir de l'ennemi commun, qui est une minorité qui a intérêt à garder son pouvoir. Alors je ne veux pas faire de grandes déclarations révolutionnaires, mais je pense que voilà, il faut être jaloux des liens sociaux qu'on peut entretenir avec sa famille, avec ses voisins, et il faut vraiment les nourrir, ces liens, de manière à garder toujours la capacité de réfléchir par soi-même, de ne pas être mené comme des moutons vers des chemins de traverse qui mènent à des divisions, qui mènent à des incompréhensions, qui mènent en fait tout simplement à des biais, quoi. Comme dirait un célèbre journaliste américain, la première victime de la guerre, que ce soit une guerre économique, une guerre militaire ou une guerre sociale, la première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est la vérité. Avant même qu'il n'y ait la moindre effusion de sang, la première chose que fait un groupe qui engage une guerre, qu'elle soit militaire, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit économique, c'est de travestir la vérité. Voilà. Et donc je pense qu'à partir de là, voilà, si votre canal s'appelle La Concorde, c'est le fait d'être ensemble sur des objectifs communs, sur des projets communs. Et oublier justement, enfin en tout cas mettre de côté, pas oublier, parce que le propre d'un individu, c'est d'avoir une trajectoire qui est différente d'un autre individu. Mais je crois qu'il est important de s'attacher à ce qui nous rassemble et de garder en arrière-plan ce qui nous divise. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'autoflageller ou bien se censurer ou s'autocensurer. Mais il s'agit de voir ce qui est vraiment, ce qui fait qu'on va pouvoir se projeter en avant et avancer ensemble. Ben, je vous remercie à mon tour, hein, toutes et tous, pour avoir consacré beaucoup de temps à la préparation de cette émission, d'avoir consacré du temps également, et pour me permettre d'exprimer voilà, d'exprimer mes opinions, d'exprimer aussi les choses que j'ai pu subir pendant toutes ces années. Alors, que les gens qui ont l'insulte facile et la menace facile se rassurent tout de suite, hein, je ne suis pas là pour jouer le Calimero. Hein. Moi, le fait de participer à cette émission, je sais que je m'expose d'office, hein, dans les réseaux sociaux à tout un tas de calomnies, d'injures, etc. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans cet entretien, c'est pas ma situation personnelle. Ma situation personnelle, je la vis avec mes proches. Elle est comme ça. On essaye bon an mal an
d'avoir un semblant de vie. Moi, c'est vrai que paradoxalement, depuis que j'ai été éloigné de ma femme et de mes enfants, ils ont la vie un peu plus facile, à mon grand désarroi, parce que bien sûr, j'aurais préféré vivre avec eux et pouvoir continuer d'être, de vivre à leur côté sans être obligé d'être éloigné. Moi, je n'ai aucun intérêt à participer à cet entretien. Et je suis là pour, en quelque sorte, lancer des alertes, dire que ce qui m'est arrivé de façon très hyperbolique, peut-être, parce que c'est ce que je raconte là, peut-être que des gens vont même dire « non, c'est tellement énorme que c'est pas possible ». Et pourtant, c'est la triste vérité. Et encore, je n'ai pas développé tout un tas de choses. Hein. Je ne suis pas du tout dans la commisération, dans le misérabilisme. Moi, simplement, le message, la ligne de force du message que je souhaite délivrer en résumé, c'est que les lois d'exception finissent avec les années par contaminer le droit commun. Et on a eu un exemple qui a été retentissant, c'est ce qu'on a appelé l'affaire de Tarnac. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a accusé Julien Coupa et 9 autres personnes, on les a même incarcérés, d'avoir saboté une caténaire, c'est-à-dire en gros les câbles des trains sur lesquels viennent s'appuyer les pantographes, c'est-à-dire ces espèces de crochets qu'il y a sur les trains pour pouvoir être alimentés en électricité. Et il a fallu pratiquement 10 années pour que la Cour de cassation reconnaisse que les faits pour lesquels ils ont été jugés, condamnés, incarcérés pour certains d'entre eux, ne pouvaient pas être qualifiés de faits terroristes. 10 ans de procédure, des centaines de milliers d'euros dépensés par les personnes qui ont été ciblées pour des raisons politiques, parce que après, il s'est avéré que c'était simplement des raisons politiques qui sous-tendaient toutes ces accusations diffamatoires. Et ils ont eu, j'allais dire, dans leur malchance, dans leur malheur, ils ont eu l'avantage, entre guillemets, d'être blancs, d'être bien français, d'être pour certains issus d'une certaine bourgeoisie, et c'est peut-être ça qui les a sauvés. S'ils avaient eu le teint un peu moins pâle, et s'ils avaient habité des quartiers plus populaires, je doute qu'ils auraient eu autant de soutien, et encore les soutiens n'ont pas été nombreux au départ, et ils ont commencé à apparaître lorsqu'il était évident qu'il s'agissait d'une manipulation politique. Et même là encore, il y a des gens qui ont trouvé les moyens de continuer à dire qu'il n'y avait pas, bien sûr, de fumée sans feu, etc. Qui ont continué à l'accuser à tort. Pour avoir échangé avec certains des protagonistes de cette affaire, je sais que leur vie a été bouleversée. Leur vie, la vie de leurs proches, la vie de leurs enfants, la vie de leurs parents, et que ça a laissé une trace indélébile sur leur trajectoire. Mais comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et peut-être mon deuxième message, c'est de dire que voilà, il faut continuer à se battre, il faut continuer à défendre sa dignité, parce que tout être humain a le droit à sa dignité, et personne ne peut attenter à la dignité de quiconque. Et je crois que la dignité, c'est ce qu'on a de plus cher. Quand on n'est plus prêt à se battre pour sa dignité, j'estime qu'on a quelque part perdu une part de son humanité. Et voilà, moi j'invite tous les gens à réfléchir sur toutes ces questions d'atteinte aux libertés publiques. J'invite les gens à réfléchir de façon globale, ne pas voir simplement des faits éparpillés, mais s'intéresser vraiment à plusieurs problématiques et à essayer de les articuler les unes les autres, pour avoir une compréhension beaucoup plus dense de la société, pour avoir une compréhension beaucoup plus efficace du monde dans lequel on vit. Et voilà, une vraie justice, une justice qui ne perd pas les pieds, c'est une justice qui respecte les principes du droit humaniste. À partir du moment où cette justice qu'on accuse simplement d'être là pour compter les morts, hein, pour reprendre une expression qui fleurit souvent dans les médias, eh bien cette justice subit des pressions et elle devient injuste. Elle commet
des graves manquements qui sont de nature à créer des dérives qui finissent par finalement avoir raison de principes qu'on pensait éternels, quoi, qu'on s'imaginait même pas qu'ils puissent être un jour atteints. Le droit de manifester est devenu pratiquement une forme d'héroïsme, quoi. C'est triste. C'est triste qu'en si peu d'années, puisque en fait le point d'orgue, ça a été les attentats du 11 septembre. Et pour citer Naomi Klein, qui a écrit un célèbre livre sur la stratégie du choc, exactement. Ce livre dans lequel elle dit que finalement, le système néolibéral a toujours des solutions sous le coude pour pouvoir imposer son agenda et qu'il les met en œuvre lorsqu'il en a la possibilité à travers des phénomènes comme le terrorisme, des phénomènes comme une crise sanitaire, des phénomènes comme une crise économique, etc. etc. Et les exemples sont nombreux. Donc moi j'exhorte vraiment tous les gens à avoir une pensée multidimensionnelle, à ne pas juste voir devant le bout de leur nez et à réfléchir dans des optiques globales et se dire que finalement les gens qui font partie de la masse, les gens qui font partie des classes populaires ont tous les mêmes aspirations. Vivre décemment, pouvoir éduquer leurs enfants, pouvoir s'exprimer librement, pouvoir avoir un minimum de bonheur dans cette vie mondaine, dans cette vie d'ici-bas, pour les croyants, enfin avoir leur petite place au soleil, tout simplement, hein, sans commettre le moindre forfait. Et voilà, et c'est le cas de tous les gens. Enfin, je veux dire, par exemple, quand quelqu'un choisit, enfin, il choisit pas, quand quelqu'un émigre en France et dans un autre pays européen, personne ne choisit de partir de son pays natal. Il le fait souvent sous la contrainte, sous des contraintes économiques, sous des contraintes qui sont de l'ordre de la guerre, qui sont de l'ordre de la pauvreté. Alors bien sûr, après, les gens qui sont aux manettes ont toujours intérêt à dire à leurs concitoyens, alors que c'est eux qui piquent la plus grosse part du gâteau, ils ont toujours intérêt à dire, regarde, attention, il y a l'étranger là qui essaye de te piquer ta part. Thank you.